Hello les amis, c'est OBXolo, on se retrouve pour un nouvel épisode de FTB Pathfinder. Alors, bon, j'ai pas fait grand chose, je suis désolé, hein. J'étais en déménagement, j'ai changé de pièce pour l'informatique et tout, donc ça a été un petit peu compliqué. J'ai vraiment pas eu le temps de jouer, j'ai fait 2-3 trucs, mais rien d'important. Alors, aujourd'hui on va valider un petit peu quelques quêtes, parce que du coup on a dû en avancer légèrement. Bon, je sais pas si ça y était déjà, j'avais agrandi un petit peu. Hop, il me reste un peu de fer. Est-ce qu'il me reste beaucoup de fuel? Non, pas trop. Alors, Alors déjà dans vos commentaires, vous m'avez parlé un petit peu de Tinker. C'est vrai que je connais pas excessivement le mode. Et c'est vrai qu'on peut faire des trucs assez sympas. Moi, j'avais tendance à toujours recrafter des nouveaux outils. Et on m'a bien expliqué que on pouvait avec par exemple, ça c'est une flint, c'est fait en flint, et je peux prendre par exemple le bronze, et en fait on peut très bien non, c'est pas là-dedans, c'est dans la tool station. Ça marchait bien toi? Non, c'est pas dans tool station, je sais plus. Ah, il faut qu'elle soit pleine, je crois. Attendez, on va essayer ça. Non, c'est pas là. Qu'est-ce que c'est que ça? Toc. Non, c'est la part builder, ça. Oh, je vais pas y arriver. Tool station, c'est ça. Ah mince, il en faut deux. Il en faut deux. On va en faire un autre. Tac. Hop, donc là c'est bon. Et si j'essaye avec ça, voilà, ça l'a transformé en bronze. Effectivement, on peut très bien intervertir les éléments comme ça, mais il faut qu'elle soit à fond au niveau durabilité. Du coup, là, je garde les renforcements qu'elle a eu, donc c'est-à-dire la durabilité. C'est déjà ce que j'ai fait, bon je vais le faire quand même pour celle-ci, mais c'est déjà ce que j'ai fait pour ma flint, enfin je suis resté en flint, et du coup celle-ci en plus j'ai eu la durabilité plus 500 grâce au diamant, l'obsidienne, etc., etc. Donc celle-ci va pas mal, elle se répare automatiquement. Et si vous voulez rajouter justement le... par exemple sur celle-ci qu'elle se répare tout seul, alors il me semble qu'il faut utiliser donc... vous prenez de la pierre moussue, on va la crafter, je crois que c'est comme ça tout simplement. On obtient de la mousse, bol de mousse, et là, est-ce que c'est là-dedans qu'on fait? Hop, et voilà, auto repair, tac. Voilà, donc là, celle-ci, je sais pas, elle mine jusqu'à la redstone, etc., etc. Donc, j'en ai pas réellement besoin, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu l'idée. Donc, celle-ci me va très bien. Moi, elle est assez rapide. On pourrait booster un peu plus la rapidité au fur et à mesure, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment. Voilà, donc, d'ici quelques épisodes, je pense repartir un petit peu. Je vais me stuffer un petit peu pour repartir, et puis pour aller chercher d'autres mondes, hein, parce que c'est l'idée aussi. Petit à petit, on va peut-être pas rester tout le temps là. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir générer un monde un peu loufoque. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas tomber dans l'eau. Tu vas tomber. Dégage. Allez, file. Hop. J'enlève ça. Je vais traquer le monde. Voilà. Oui, donc on essaiera de trouver d'autres mondes, d'autres trucs un peu sympas, ça sera assez drôle. Mais avant toute chose, on va commencer à valider un petit peu les quêtes, parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelques quêtes en attente. Du style ne serait-ce que dans Voyager, la première quête, du coup quand on est revenu sur l'USS Pathfinder, ça nous a effectivement... indiquer que le Dimlet Researcher, on l'avait bien visité, puisque on est passé à côté quand on était dedans. Donc là, j'avais pas claim, je vais prendre le reward. Et voilà. Donc ça, c'est bon. On va poser un peu tout ça. Hop, tac. Donc j'ai pas mal de trucs. Hein. Alors ça, on en trouve en masse. Alors quand vous trouvez un filon, il est immense en principe. Ça, c'est tout le même filon en fait. Hein.
tous les 16, là, le 3, c'était juste un filon, j'en ai déjà changé quelques-uns. Mais bon, pour l'instant, j'ai déjà pas mal de ressources, je ne vais pas m'embêter avec ça, j'en ai fait quelques-uns. Et puis voilà, donc ça, on va le mettre là-dedans. Ok. Je suis désolé, c'est peut-être un peu bruyant, hein. Mon PC, je l'ai mis en haut de la... sur le bureau et je m'aperçois qu'il est assez bruyant. Avant, il était en position basse. Hop. Bah tiens, encore un matériel non. On va le mettre ici. Donc ça, le chaise, tout ça. Je le mets où ça d'habitude? Je me rappelle plus. Là. Tac. Et du poisson. Bah tiens, allez. Poisson. Toujours pas de mal. Ok. Alors voilà, une des premières. Oh bah tiens, on va manger jusqu'au bout. On sera tranquille pour cet épisode. Il veut plus. Allez, hop, tiens, merci. Alors, donc ça c'est bon. Ensuite, Excalibur. Alors, qu'est-ce que c'est Excalibur? Alors, il faut que j'ai un effect non-dimlet et un terrain void-dimlet. Pardon. Effect non, est-ce que j'ai ça en stock? Effect non-dimlet, très bien. Et terrain non-dimlet, j'ai pas ça. Je pense pas avoir nulle part. Là, c'est que du bois. Terrain void dimlet. Mais ça, il me dit pas que je l'ai. Je peux pas faire manuel detect là. Ok. Alors, terrain. Est-ce que je peux le crafter ça? Ah, ben j'avais déjà regardé en plus. Void. Alors, Terrain Void Dimlet, ça se craft avec de l'iron, du papier. Est-ce que j'en ai du papier? Je sais même plus. J'ai de la canne à sucre ou pas? Oh, j'ai même pas de canne à sucre. J'ai pas encore eu la canne à sucre ici. Ah non, effectivement. Eh ben, il faudrait que je. Ben si, pourtant, il me semble bien que j'en ai fait. Non? Oui, à propos, effectivement, le rice, c'est le seigle. On m'a fait un commentaire là-dessus, effectivement. Oui, bah merci à. J'espère ne pas me tromper dans son prénom. Altair, comme dans un célèbre jeu vidéo. Merci pour tes conseils qui me sont précieux. Alors, ouais, du coup, j'ai pas de canne à sucre, faudrait en trouver par là, on va essayer d'en trouver vite fait. C'est vrai que j'en ai pas. Alors, pour la canne à sucre, il me semble, il faudrait que je commence à en faire. Je pense que c'est tout simplement en mettant du sable. On va mettre un petit truc de sable ici. Hop. Clac. On va se faire un petit crops ici. Hop. Clac, clac, clac. 2 comme ça, et bah j'en ai deux, impeccable. Et à force, en poussant, ça va nous faire des trucs sympatoches. Bon, là, j'essaye toujours mes mutations. C'est pas, je comprends pas toujours le principe. Comment en fait on gagne en gain en fait des trucs, c'est pas toujours simple. Là, j'ai go 4, ouais, c'est toujours le même truc en fait merde, que je récupère. J'essaye bien petit à petit hein, d'avancer tout ça, mais c'est pas évident. Alors ça, on va le mettre là. On n'a pas besoin. Ok. Bon, on va laisser faire. Je vais vite essayer de trouver un peu de canne à sucre. Oh, j'ai des lags. J'ai du freeze. J'en ai pas vu en effet de lag. Mais j'en ai pas là par là. C'est étonnant quand même que j'ai pas utilisé de canne à sucre. Ah si, mais je dois en avoir pourtant. Ça se passe bien. Alors elle aussi c'est pareil, hein, elle... Ah, tiens, je vais en profiter, voilà, faire des petits. Eh ben, la reproduction est longue, je trouve. Elles produisent très peu d'œufs. Alors je pense que c'est lié en fait aux crops. Ah si, il me semblait bien que j'avais de la canne à sucre.
Mais effectivement, j'en ai planté nulle part de la canne à sucre. J'avais dû en récupérer, mais j'en ai planté nulle part. Bon, enfin, c'est pas très grave, on fera ça plus tard. Alors, la canne à sucre, du papier, il m'en faut 3. Les dimelettes, une brique, est-ce que j'ai ça d'abord? Ouais, j'ai bien une brique. Et on va prendre. Tac. Bien sûr, c'est cool. Ça, je m'en fiche. On va prendre du fer. 3 fers, pardon. 3 fers. Et voilà. Et on craft tout ça. Ah, ça marche jamais ça. Ah, mais peut-être du fait d'être sur une. Bon, enfin, c'est pas grave. Tac, on a compris le principe. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Et voilà. Alors, la reward. Bah alors. Effect non dimlet. Alors pourquoi ça fonctionne pas ça? Est-ce qu'il faut que j'en crafte un? Examine dimnet. Ils sont assez compliqués que d'autres. You could be easily replicated. This dimnet would be very. Oh là là. Effect none, je suis pas fou, c'est bien un effect none. Alors, est-ce que je peux le crafter aussi l'effect none? Effect non dimlet. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Moi, j'ai rien là-dedans. Là. Des figues, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Oh, bah voilà. On va faire ça comme ça. Une pomme, 3 redstone et du papier. Allez, ça marche. Vendu. Alors, pomme, redstone et papier. Alors, papier, on va le faire tout de suite. 3 papiers. Ok, on va poser ça devant. Des pommes, j'en ai pas. Oh, je dois bien avoir des pommes. J'ai pas de pommes. J'y crois pas. J'ai pas de pommes. J'ai mangé toutes mes pommes. Bon, eh ben, on ira chercher des pommes. C'est fou ça. C'est fou que j'ai pas de pommes. Donc il fallait ça. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Et de la redstone. La redstone, on va en prendre 3. Et voilà. Alors du coup. Ah zut, bah, ça aurait été sur la mat oak que j'aurais dû faire. J'ai été bête là. J'ai renforcé en fait ma pickaxe alors que j'aurais pu très bien. Il faudrait que j'aille récupérer un peu de. Bon, enfin, c'est pas très grave. Merde. Idiot. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Rien encore. Là, j'avais fait une espèce de culture d'arbres assez impressionnante. Problème, c'est que là, il va falloir que je tombe tout ce bois pour récupérer peut-être une pomme. On n'y voit rien. On va agrandir un peu la zone. Clac. Allez. On va en couper un peu mieux. N'y voit rien. C'est fou ça. Je pensais quand même avoir des pommes. Je les ai toutes mangées. Bon, c'est quand même dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à faire? On va regarder ça. Oh là. J'ai de beaux lags. Alors, ça. On va en rentrer un peu là-dedans. Ça. Je sais pas trop. Pas de pommes. Tiens, j'en profitais pour remettre ça là-dedans, on va faire comme ça. On va se faire quelques trucs. Hop.
histoire de faire quelques torches. On a grandi au fur et à mesure. Voilà. Bon, toujours pas de pommes dans le secteur. Ah, je vais pas passer l'épisode à avoir une pomme. Allez, une pomme, s'il vous plaît. Ne veut pas. Ah, une pomme ici. Alors ça, je m'en fiche. Hop, et une pomme. Voilà, allez, c'est parti. Alors je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas pu utiliser celui que j'avais déjà. Est-ce qu'il faut absolument le crafter? C'est possible. Alors on a dit comme ceci, on a dit comme ceci, et une pomme. Effect non dimlet. Voilà. Je ressors l'autre que j'ai. Terrain void dimlet. On regarde là. Et là c'est bon. Il faut que je fasse un peu d'inventaire, de place dans mon inventaire. Le bois. Voilà, le bois. Tac. Voilà. Alors, rebar bag. Justement, après, avant de repartir, je me ferai des sacs en fait. Où je mettrai un petit peu tous mes dimlets, histoire de tous les remettre un peu ensemble dans l'USS Pathfinder. Je prévoirai des générateurs, je vais aller chercher pas mal de... Normalement j'ai quand même pas mal déjà des blocks of coal, des choses comme ça, j'en ai pas mal, j'en stockerai pas mal là-haut. Je ferai un peu le tri dans mes affaires là. Mais bon, ça je ferai ça à tête reposée. Allez, encore un, structure non. Et petit à petit on va essayer de générer d'autres mondes. Et puis là-haut, en plus, j'ai une machine qui me permet de vérifier ceux qui sont encore vierges, là, ceux avec les points d'interrogation. Donc, ça pourra me donner d'autres trucs. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Galaxy. Qu'est-ce que c'est ça? Soul. Wrong dimension. Alors, ça, il faut que je regarde ce que c'est. Soul. Ce n'est rien du tout là-dedans. Alors, est-ce qu'il faut revenir à un endroit précis? Parce que ça a bien l'air d'être des trucs comme ça, mais je vois pas trop le truc. Vous avez le 10 minutes, est-ce possible pour créer? Donc, votre dimension. Ouais. Là j'avoue que... Alors ça c'est quoi ça? Challenger. Ah ça c'est déjà fait du coup, mais il n'y avait rien de spécial à faire. Ok. Oups. Alien Construct. Ok, bon je regarderai ça. Du coup là... Bah ça c'est la dernière, mais donc faudrait que je vois un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau de ça, donc là il me reste le Doug à faire. Alors on va faire du Doug si j'ai ce qu'il faut. Oh, je suis un peu, je l'ai fait vraiment à l'improviste. Hein, j'ai rien préparé, j'ai rien regardé d'avance. Alors on va voir si on peut faire ça. Donc ça c'est de l'eau, du sel, normalement j'ai tout hein, pour faire ça. Alors, mixing bowl, on va vider un peu l'inventaire, je vais reposer ça là-dedans, je vais reposer ça là-dedans, j'en ai pas besoin, ça je vais le mettre là, je vais le lire après. Alors le mixing bowl, qu'est-ce que tu fais là toi? Toujours dans les pattes, allez dégage. Mixing bowl, j'ai déjà plus ce qu'il faut. Hop. Un water bucket, j'ai peut-être même pas. Du sel, de la farine. Alors sel, farine, je dois avoir ça.
De la farine, j'en ai. Du sel, j'en ai pas beaucoup par contre. Et un seau d'eau. Peut-être faire ces machins. Je crois que des seaux, j'en avais pas en fer encore. Hop, on va crafter un petit seau. Bravo. Voilà. Ce qu'on m'a dit qu'on pouvait aussi mettre de l'eau quand on fait ça. Voilà, ça fait des fresh water. Et ça garde le seau. Ok, du coup, bah, on va faire du dog. Donc le mixing bowl, ok. Ça marche jamais. Mixing bowl, la fresh water, le sel, la farine, et ça fait du dough. Dough qui est aucune idée. De la pâte? Non, c'est. Ouais, je sais pas. Ok, donc ça c'est bon. Claim reward. On en avance un peu. Qu'est-ce qu'il me donne? Ah, Ah, mais j'en ai déjà du melon 6. J'en ai déjà. J'aurais préféré de la pastèque. Tiens, j'en ai pas là par contre. C'est bien du melon ça. Ouais. Ouais. J'aurais préféré de la pastèque. Mais bon. Et là, au fait, c'en est où? Tiens, on va prendre ça. On va arroser un peu notre affaire là pour voir si petit à petit il va sortir quelque chose. Yes, voilà. J'aurai de la canne à sucre comme ça. Et là, je vais pouvoir replanter ma canne à sucre, effectivement. Je ne l'avais pas encore fait. En effet. Voilà, donc. Ok. Qu'est-ce que. Donc, ça, c'est bon. Lexington complète. Ok. Ah, il m'a rajouté des trucs, là. Renegade. Ah, ouais, ok. Ben, ça, je l'ai, non? Ah, non, c'est le upgrade. Ah, on peut les upgrader. D'accord, et comment on fait pour upgrader ça? C'est juste un upgrade, c'est marqué. Non, il va falloir que je trouve le truc. Alors, white, si je fais bague, est-ce que je verrai les upgrades à côté? Voilà, c'est ça, upgrade. Ok, string. Donc ça, c'est pas tellement compliqué à faire. Est-ce que j'en ai d'ailleurs des strings? Comment je faisais des strings? Je sais plus. Ah si, avec des pouces. Je crois qu'avec des pouces, on va remettre ça là-dedans. Je sais pas à quoi ça sert le double. Allez, j'ai faim de nouveau. Alors des pouces et il faut mettre dans. Pas là-dedans. Où est-ce que je mets ce truc? Ah, ben j'avais. Pas 50 millions de coffres. Je crois que c'était dans un truc comme ça, mais avec le. Ah, comment ça s'appelle? Ah, zut! Ah, bah, c'est pas vrai, je vais pas retrouver le nom. Enfin, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. J'avais peut-être tout ce qu'il fallait ici. Non, ça doit être. C'est comme ça, non, les bols. Comme ça. Et je crois que c'est juste avec ça. Non. Ah, comment c'est le. Ah, j'ai perdu le nom. Bon, enfin bref, on va retrouver par rapport à ici. L'upgrade, les strings. Ah, bah si, c'est ça. Ah oui, d'accord. Un bol donne 3. Ok, pardon. C'est bien une histoire comme ça. Je me souvenais plus. Clac. Voilà. Donc là, ça devrait être bon.
upgrade, donc 3 iron et 3 iron. On va reposer le seau ici. Voilà. Hop, ça, on n'a plus besoin. Merde. Ah, j'ai une mémoire, c'est incroyable. En haut, au milieu. Alors, en haut. Au milieu. Et en bas. Voilà. Et là, comment ça marche? On doit le passer là-dedans, je suppose. What back tier 2? S'en a rajouté un. Ah, ça l'a peut-être. Oui, effectivement, il était plus petit que ça, effectivement. Ok, bon, ça l'a grandi un poil. Du coup, dans mes casting books, ça c'est bon. Claim reward. Ça. Nickel. Ok, il faudra faire brûler, faire fondre du nickel pour avoir du ferrousse et faire une pickaxe en ferrousse. Ouais, je le ferai. Bon, bah ça, vous avez compris le principe. Hein. Maintenant, on passe du nickel là-dedans et on le transcrit par rapport à son pattern. On en fait un ferrous. Donc ça, je le ferai hors cam. Ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, un bloc d'étain. Toujours bon à prendre. Ok. Du coup... Bah là, on aura fini. Oh, bientôt les jetpacks, les choses comme ça. Ça va être assez intéressant. Ok, pour ça, bon bah je pense que là, est-ce que j'ai d'autres quêtes qui se sont ouvertes? Non, pas encore. Ok, bon bah on verra ça les fois prochaines. Je vais commencer à faire un peu du hors-cam hein, pour avancer un poil. Et puis, bah voilà les amis, on avance petit à petit. On va retourner rapidement dans l'USS Pathfinder et puis découvrir d'autres nouveaux mondes parce que celui-là il est bien gentil, il va très bien pour se stuffer, c'est pratique, mais dans d'autres, il y aura sûrement d'autres ressources beaucoup plus intéressantes pour nous. Déjà, ne serait-ce que la lave, qui peut être un super super truc à utiliser dans les générateurs, dans les choses comme ça. Donc, on va essayer de trouver ça petit à petit. Et puis voilà, bah, sur ce, les amis, pendant que j'analyse ma graine. Voilà, très bien, merci, bonjour. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.